en quelques mots, s'il te plaît, tu viens faire le tour du marché de l'Aréole. Et donc, nous avons rencontré un certain nombre de personnes, jeunes et moins jeunes. Quel est ton ressenti donc, sur ce marché? Ce matin, marché de l'Aréole, c'est ma deuxième caravane rurale France Insoumise. J'étais à Coutras au mois de juillet et puis l'Aréole ce matin. Donc des échanges très intéressants avec une thématique qui finalement se rejoint sur ces caravanes rurales. C'est le recul des services publics qui est effectivement constant dans les territoires ruraux. On voit ici la question de la fermeture des urgences, mais on pourrait parler également des services de sécurité avec la gendarmerie et la police, ou ici notamment... Il y a un problème de présence de la gendarmerie, on vient de m'en faire part. Donc voilà, c'est des thématiques qui sont spécifiques au monde rural et c'était vraiment intéressant de voir comment notre programme aussi permet de répondre à ces questions-là. Par contre, il y a une question sur laquelle il faut qu'on s'interroge et que l'on, il me semble, travaille plus avant, c'est la question aussi de ce milieu rural agricole, puisqu'on a ici une proportion de la population qui est retraitée de la production agricole et qui se retrouve avec des niveaux de pension de la MSA qui sont juste indignes, en tout cas qui ne permettent pas de vivre correctement. J'étais encore tout à l'heure avec un couple de retraités du milieu agricole qui vivait à deux avec à peine 1200 euros par mois et qui, à 80 ans, s'ils ne cultivent pas leur jardin, ne peuvent pas remplir leur assiette tous les jours correctement. Donc ça, c'est des choses qui, moi, me touchent particulièrement et me révoltent. Et je pense qu'il faut qu'on agisse réellement sur trouver des solutions pour permettre à ces gens de vivre dignement. Aujourd'hui, il n'y a aucun dispositif qui est prévu pour compenser ça. Nous, on dit personne en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, ça, c'est une proposition concrète, c'est que ces gens-là ne soient pas en dessous du seuil de pauvreté. Ils sont à 1200 euros à deux. Le seuil de pauvreté, je vous rappelle, c'est 1015 euros pour une personne. Donc on en est loin. Donc voilà, c'est vraiment des choses qu'il y a aujourd'hui qui nous ont été remontées et franchement intéressantes, avec beaucoup d'autres thématiques bien sûr, mais voilà, c'est les deux que j'ai retenues et en tout cas un accueil qui est toujours très chaleureux sur les marchés. Et cet après-midi, donc tu rentres sur Bordeaux, pour quelle raison? Alors là, je vais partir effectivement et abandonner les camarades qui vont continuer ce marché-là et je vais partir assez tôt parce que j'ai rendez-vous pour la marche pour le climat qui démarre à Bordeaux à 13h. Donc on a un rendez-vous bien sûr avec la France Insoumise pour dire ben, ça suffit de repousser cette problématique du changement climatique au calende grec et de ne pas voir c'est l'urgence aujourd'hui de s'occuper de ce basculement qui est en train de se produire. Donc il y a une marche sur le climat, j'espère que ce sera un grand succès. En tout cas, la France Insoumise y est impliquée d'une manière vraiment résolue et massive. Donc on sera, comme partout en France, à Bordeaux, dans cette marche pour le climat. Eh bien, à très bientôt. Merci. Merci.